En quittant l'appartement d'un client, je tombais sur le journal du jour annonçant un événement qui s'avérerait changer notre vie. Qu'est-ce que c'est encore que ce congrès ? Notre porte d'entrée. Mais tu sais pas lire ? On n'a absolument pas ce qu'il faut. Qu'est-ce qui va pas avec nous ? Il faut avoir plus de 25 ans. On les fait ? Pas le bon physique. Marilyn ? Ce serait dommage de passer à côté de ces 40 000 dollars. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour participer à cet événement ? C'est réservé aux hommes, Luna. Tu le sais autant que moi. Nous avions réussi à pénétrer dans le congrès, mais nous avions encore une mission à accomplir pour espérer atteindre notre but. Écarter un des concurrents pour prendre sa place. J'aperçus au loin le docteur Dreyfus dans un coin isolé. Notre cible était toute trouvée. Bonsoir, monsieur. Non, monsieur. Monsieur. Docteur Dreyfus ? Oui. À qui ai-je l'honneur ? Harry Hinkle, inventeur du rayon X. Moi, j'étais très curieux de savoir à quoi vous ressembliez. Mais je vous imaginais plus grand. C'est très flatteur. Hein ? Oui. Dites-moi, monsieur... Bonne journée, monsieur Dreyfus. Cher public, cher jury, nous sommes réunis pour le concours annuel scientifique, pour découvrir les nouveautés et expériences et les théories novatrices. Je vous rappelle que ce concours est doté d'un prix exceptionnel, 3 semaines à Miami, et d'une récompense de 40 000 dollars. Pas mal. Oula, 40 000 dollars. C'est bon. Pardon. Maintenant, nous allons faire venir le docteur Dreyfus pour qu'il nous parle de son élixir contre la toux. Docteur Dreyfus, on vous demande sur... Messieurs, prenez ma place. Qu'est-ce que c'est que ça ? Notre invention s'inspire du principe de l'induction électromagnétique, du télégraphe et du téléphone. C'est un appareil capable de transmettre des sons à distance par l'entremise de fils. Des pulsations de courant sont envoyées sur une ligne, produisant momentanément du magnétisme dans une bobine située elle-même à l'autre bout de la ligne. Bon, passons à notre démonstration. M'entendez-vous ? Est-ce que vous m'entendez ? M'entendez-vous ? Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez ? Oh.
C'est un scandale. Oh, mais c'est pas vrai. Retour sur l'arrestation de Luna Davis et Marilyn Jones au Congrès scientifique de Boston. 30 ans après, que sont devenues ces femmes dont l'audace a fait parler tout le pays? L'affaire divise encore aujourd'hui. Certains continuent à qualifier leurs démonstrations spectaculaires de supercherie, et d'autres clament encore qu'elles sont à l'origine de cette si belle invention avec laquelle vous pouvez nous écouter aujourd'hui. Ils sortent d'une série de victoires impressionnantes menées par leurs stars Mikey Mantle et Yogi Berra. Ils cherchent à maintenir leur élan et décrocher une autre victoire aujourd'hui. Mais les Red Sox, sous la direction de Ted Williams, ne doivent pas être sous-estimés. Ils ont faim de victoire et sont impatients de donner du fil à retordre aux Yankees. Le lanceur se prépare, lance la balle, il s'écoule une balle rapide, droit au milieu, le batteur frappe, c'est un solide coup, s'envolant profondément le champ du centre, le voltigeur court en arrière, mais c'est au-dessus de sa tête. Le coureur contourne le premier but et se dirige vers le deuxième alors que la balle est récupérée et renvoyée dans l'avant-champ, ça va être une action serrée au deuxième but. Et il est en sécurité, quel moment palpitant ici au Yankee Stadium. La foule est debout, applaudissant son équipe alors qu'elle se rapproche de marquer le premier point du match. I'm a night owl. I wake up as soon as the sun goes down. I'm a night owl. I start out and I do the town I browse. I make light of the darkness like my friend in the tree. Long about three, I'm hooting, still hooting. Ooh, I'm a night owl. Just like that great bird, I am a late